Nous retrouvons aujourd'hui Johanna Blanc qui est actuellement en pleine dépression. En effet, dans cet épisode, elle va fêter ses 80 ans. Du coup, elle est en train de boire un verre d'eau tout en se regardant dans la glace et ne pense qu'à une chose. Avouer devant sa famille qu'elle est niaise. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 89. Oui, c'est ça, 89 de notre Esplay sur les Sims 4, toujours accompagné de notre famille blanc. Et quant à moi, je vais super bien, je suis vraiment content de vous retrouver pour ce nouvel épisode puisqu'il va se passer pas mal de choses. Et ma voix, elle a bugué à un moment, c'était bizarre. Bref, il va se passer pas mal de choses dans cet épisode et voilà, je suis vraiment content de jouer toujours avec notre petite famille et comme vous l'avez vu avec la petite intro, je suis niaise. On va dans cet épisode fêter l'anniversaire de Johanna Blanc qui, souvenez-vous, à l'épisode précédent, on a vu une petite notification que je ne vais pas retrouver, mais une petite notification, c'était célébrer l'anniversaire de Johanna en organisant une fantastique fête. Donc ça va être une des premières choses, voilà, c'est mieux en français, STP, enfin genre en mode mieux orthographié quoi, en français, même, mais je dis vraiment de la merde. Alors par contre, je préviens d'avance, si dans cet épisode je ne sais plus parler, c'est parce que, voilà, je fais la vidéo à 8h du soir, je suis fatigué, non je rigole, non en vrai, je suis pas trop fatigué, mais bon voilà, moi, le soir je ne sais plus parler, donc bon, voilà. Il faut s'habituer, il faut s'habituer. Mais du coup je disais quoi? Ah oui, donc du coup dans cet épisode on va fêter l'anniversaire de Johanna Blanc. Mais pas que, aussi on va s'intéresser à la grossesse de Amélie Blanc, sa fille, souvenez-vous. Et elle se pisse dessus. Bon ben ça je pense que c'est la vieillesse hein, ça doit faire des choses comme ça. Elle est dégueulasse putain. Bonjour, je viens actuellement de pisser devant mes deux fils. J'en ai trop marre. Bon, cet épisode commence donc extrêmement mal. Ben s'il te plaît, va prendre un bain de mousse, oui. Tu nettoieras ta flaque aussi, quoique. Je suis actuellement en train de prendre, comme vous voyez, la sœur pour qu'elle nettoie la piste de sa mère. Non, attendez, hop, on va prendre lui, ça fera encore plus trash. Bon, attendez, hop, on va juste mettre comme ça. Oh, j'ai cru, il y avait un truc trop bizarre qui est apparu à la télé là. Oh, c'était trop chelou. Bon, bref, c'est chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder, c'est quoi cette manière? C'est chelou. Bref, arrête. J'ai arrêté parce que moi et la chanson, ça fait 3. Donc voilà. Et bon ouais bah du coup nettoie la flaque de pisse de ta mère hein. En plus elle a pissé sur le tapis. C'est oh, oh my god. J'en ai trop marre franchement. Elle m'a saoulé, c'est pire qu'un animal le truc. Oh je l'ai clashé, c'était violent. Bon bref, du coup ce que je disais c'est que oui aussi on va s'intéresser à la grossesse de Amélie Blanc. On va aller dans les petites notifications tout ça, voir un peu comment ça se passe puisque bah, souvenez-vous il y a 2 épisodes on a fait crac crac tout ça tout ça. Et aussi dans cet épisode voilà, si on a le temps, on verra si on a le temps du time, voilà. C'était quoi que je voulais dire? Je sais plus, merde. Oui, c'est ça, je m'en souviens, c'est bon. Je m'en souviens. Mon cerveau, il faut que j'aille un peu à la ramasse, comme je vous ai dit. On va essayer de trouver quelqu'un pour Anthony Blanc, les amis, parce que en fait, j'ai pensé, après avoir tourné l'épisode 88, je me suis dit, ben pourquoi pas en fait trouver quelqu'un pour tous les membres. Bon, à part pour Théo, parce que voilà, Théo est encore trop jeune. Voilà, et donc du coup, il peut pas. Donc voilà, malheureusement pour lui. Mais du coup, voilà, je me suis dit, ben pourquoi pas après Amélie Blanc, qu'elle a trouvé un mec et qu'elle attend un enfant, pourquoi pas maintenant s'occuper de Anthony Blanc, sachant que je vous l'ai dit il y a une vingtaine d'épisodes quand Anthony Blanc était né, donc voilà c'était un bébé tout ça. Je vous avais dit ouais j'aimerais vraiment dans la suite du let's play continuer l'aventure avec lui ou avec Mathieu et pas avec Amélie Blanc puisque quand on avait eu les jumelles, on avait donc du coup continué avec une des filles, vu que c'était jumelles, il y a 2 filles, logique. On avait continué donc avec une des filles et j'avais dit ouais voilà pour changer, la prochaine fois on prendrait un garçon. Donc du coup il faudra s'occuper de Anthony Blanc, mais là il y a quelque chose de plus important. En effet, on a l'anniversaire de... Elle est où? Ah mais ok, tu pleures dans le placard. Ah ouais non mais t'es une gamine hein, putain. Tu vas avoir 80 ans, tu fais encore des choses comme ça. Non mais arrête tes bails meuf. C'est n'importe quoi. Faire griller des saucisses? Oui. Alors pourquoi tu veux faire ça? Explique-moi pourquoi tu veux faire des saucisses à... Bon quoique l'heure est encore j'allais dire honorable, n'importe quoi. J'allais dire, je voulais donc dire correct. Mais non, ça va pas être possible parce qu'on doit te faire un gâteau. Alors du coup niveau âge, ben elle va vieillir, ouais. Et alors juste, il n'y a pas de notification. Mais pourquoi tu dégages les trucs comme ça, ça me saoule. Bon, environnement réchaud. Oh putain j'en ai marre. Regardez, elle me met des toses la truc vite. Mais oh, mais pourquoi quand je clique ça marche pas? Voilà, boisson au goût doux.
décorée. Et elle, ça a disparu. Oh, mais c'est bon, tu sais quoi? Ah, mais en fait, elle change d'humeur toutes les 2 secondes. Bah, ok, tu m'étonnes que ça fonctionne plus. Ok, bon, du coup, bah, on va faire un petit gâteau pour notre Johanna Blanc qui va devenir une vieille dame. Donc, du coup, bah, voilà, prépare ta canne, hein, c'est parti. Bon, du coup, cuisiner un petit gâteau blanc, voilà. Gâteau blanc, famille blanc, toi-même tu sais, voilà. J'ai vraiment dit de la merde là, c'était un peu con. Bon, en tout cas, tu vas faire quoi toi? Dormir? Mais t'es sérieux toi en fait, ton anniversaire tu vas dormir? Wesh! T'es sérieuse? Bon, bah c'est pas grave. En fait, je vois qu'il y a tout qui est cassé dans cette baraque. Alors attendez, tac, remplacer, voilà, parce que franchement j'ai la flemme de réparer les trucs. Donc hop, réparer ça. Remplacer, voilà. Il y a d'autres choses de casser parce que bon, on en est, on sait jamais. Voilà, on sait jamais parce que y a déjà eu 2 trucs de casser. Comme on dit dans la vie, j'ai mis 203. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, bon, pas pour le moment. Bon, en tout cas, du coup, elle, on va la lever, on va la faire descendre. Lève-toi, dépêche-toi, wesh, assis-toi, faut que je te parle. Durant n'importe quoi. Bon, en tout cas, s'il te plaît, lève-toi. On a ton anniversaire à fêter. Ton fils est en train de faire un gâteau, donc sois contente. Bon, du coup, allez, hop. Mais c'est pas une flaque qui est ici. Ah, mais non, c'est le marbre qui brille. Ah, ouais, d'accord. Comme quoi, notre sol est extrêmement propre. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu manges ça? Pourquoi tu manges ça? Mais oh là là, oh, j'ai marre. Mais arrête de manger des trucs pareils, je sais pas, on prépare un gâteau, toi tu manges repas micro-ondes. Bon, dans la poubelle. Poubelle de turfu, ma gueule. Bon, en tout cas, hop, tac, tac. Toi, ton gâteau, il est prêt, donc c'est parti. On va mettre les petites bougies d'anniversaire, voilà. Donc allez, let's go. Johanna Blanc, enjôleuse. Ah ouais, non, mais faudrait que t'arrêtes ça, parce que y a un certain âge, il faut se ranger, tu vois. Bon, en tout cas, faire un vœu. Donc c'est parti, tac, faire un vœu. On va fêter son anniversaire. Alors par contre, est-ce qu'il y a tout le monde qui peut se lever à SVP? Parce qu'on dirait que vous en battez les couilles, c'est abusé quoi. Bon, s'il vous plaît, du coup, descendez quand même un minimum pour votre mère. Bon, en tout cas, elle descend. Et je suis en train de penser, du coup, et c'est ça qui me rend quand même un peu triste, c'est que comme vous le voyez, du coup, on fait l'anniversaire de Johanna, qui devient donc une personne âgée. Mais elle le fait pas avec son mari, souvenez-vous, Don Lotario, qui est décédé à cause de moi, parce que je l'ai fait mourir dans la piscine. Mais sans l'avoir vraiment fait exprès en fait. Souvenez-vous, c'était... Oh, je m'en voulais tellement, putain. J'étais dégoûté. Ah, Johanna Blanc devient une personne âgée. Oula, elle a déjà des problèmes de dos. Le vieillage au programme ventre plissé, cheveux blancs et longue sieste. Bon, longue zeste, c'est bien, mais après le reste, voilà quoi. Profiter de la vie comme si la faucheuse ne vous attendait pas de pied ferme. Ah ouais, c'est vraiment encourageant, ça donne vraiment envie de vivre. Autant crever direct quoi. Bon, du coup, Johanna Blanc vient de devenir une personne âgée et va falloir la relooker, bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va le faire. Du coup, c'était quoi ce que je disais? Ce que je disais, j'arrive à parler. Ah oui, je parlais de Don Lotario. Ouais, du coup, ça me fait un peu le seum, comme vous voyez, puisque. Ben ouais, en fait, Don Lotario, ben j'aurais vraiment aimé qu'en fait qu'il soit là pour fêter l'anniversaire de Johanna, qui du coup devient une personne âgée, mais qui rejoindra bientôt Don Lotario. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà, ils vont le rejoindre au ciel. Voilà, c'est beau. C'était beau mon petit discours là. Mais en tout cas, ouais, ça me déprime un petit peu parce que en vrai, je regrette toujours autant d'avoir fait n'importe quoi avec mes Sims. Franchement, je sais pas pourquoi. Dans l'épisode où Don Lotario est mort, pourquoi je l'ai foutu dans la piscine alors qu'il était fatigué? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je regretterai énormément parce que jusqu'à présent, c'était tout en moi qui voulait que les personnages meurent. Et puis là, en fait, je voulais pas qu'il meure et il est mort. Du coup, ça m'a dégoûté. Mais bon, c'est la vie. This is the life. Bon, en tout cas, elle mange son petit gâteau et après, écoutez, bah, après qu'elle aura mangé et tout, on la relookera. En attendant, ce que je voulais voir, c'était Amélie Blanc. Comment te portes-tu dans ta petite grossesse? C'est parti, comment vas-tu? Alors, nausée matinale, nanana, bon ça c'est normal. J'avais lu caca, n'importe quoi. Cracra, la crasse commence à s'accumuler. Ah, ouais, faudra peut-être que tu laves parce que tu vas devenir dégoûtante dans 11 heures. Bon, faudra que tu fasses pipi aussi, ok. Décorer avec finesse. Ouais, finesse, j'avais lu finesse. Franchement, je ne sais pas lire. Anniversaire, ouais, les anniversaires sont amusants, bon tout, ok. Pourquoi tu m'as fait ça? Hop, voilà. Bon, toutes les fêtes permettent de passer de bons moments, mais une fête avec un gâteau qui vous est dédié, waouh. Non, mais t'as cru c'était ton gâteau en fait. Mais c'est pas ton gâteau, meuf, t'es conne ou tu fais exprès, je sais pas. C'est le gâteau à ta mère.
C'est... Bon bref, faut pas chercher avec elle, elle est conne. Elle est très conne. Bon, en tout cas, enceinte, deuxième trimestre déjà. Bon, tu peux arrêter de changer d'humeur, s'il te plaît, ou ça se passe comment là? Un coup, t'es très mal à l'aise, un coup, t'es heureuse. Arrête, je veux voir les notifications. Enceinte, deuxième trimestre, la grossesse d'Amélie... J'en ai marre. Avance... Moi, je vais pas arriver à lire, j'en ai marre, Oh, putain! viens là, Avance bien et elle fini! a hâte d'être maman. Troisième trimestre dans 14 heures. Ok, on va y arriver. Bon, par contre, ouais, franchement, va prendre ta douche, tout ça, parce que là, tu commences vraiment à me saouler. Je peux plus, je vais te foutre une tarte si ça continue. Non, en vrai, commence vraiment à m'énerver. Regardez comment elle change d'humeur tout le temps, là, elle est énervante. Bon, en tout cas, on va mettre ses petits besoins. Elle prend sa petite douche tranquillou. Toi, comment tu vas? Ah, toi, t'es fatiguée. Bon, mais écoute, tu vas aller te coucher dans ton petit lit. Voilà. Ah, faire une sieste avec paresse. Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, mais c'est parce qu'il est paresseux, ouais, j'avais quand même zappé. Bon, en tout cas, ah ouais, il est plus malade. Comme quoi, le thé vert, ça sauve la vie. Bon, c'est plutôt cool. Johanna Blanc, Johanna Blanc, Johanna Blanc, tu fais dodo. Ok, bon, mais bah, on te reloukera quand tu seras réveillé. Après toi, il faudra que tu ailles à l'école. Ouais, il faudra que tu ailles à l'école. Bon, enfin bon, pas 1 heure du matin, bien sûr, parce que là, il dort encore. Mais il faudra que tu y ailles, bien sûr. Après toi, Vessi, bon, t'es en train de dormir, donc du coup, on va pas te faire chier. Voilà, personnellement, j'aimerais pas qu'on me saoule pour me dire Benjamin, va aux toilettes! Ça serait totalement con, genre t'es en train de dormir, la personne elle vient de te dire ça. Ça serait bête. Bon, en tout cas, toi, qu'est-ce que tu fais? Mais va dormir, wesh. Wesh, go to the bed. Voilà. Par contre, un truc que j'aimerais savoir, est-ce qu'on a eu des factures? Parce que, en fait, je suis en train de penser à toutes les lumières qui sont allumées et en fait, que on n'est pas du tout dans le développement durable, hein, vraiment. En tout cas, ouais, et on n'a aucun courrier. C'est trop bizarre. Vraiment. C'est chelou quand même parce que, je sais pas. Genre, on n'a toujours rien eu, ça fait 9 épisodes. Alors, parfois, tu vas avoir, au bout d'un épisode, tu vas avoir une facture de 4000 euros. Enfin, 4000, c'est une chose, bon, c'est pareil. Et là, ça fait 9 épisodes et on n'a rien. C'est trop bizarre. Bon, en tout cas, bien sûr, on n'a rien pour le moment, mais vous inquiétez pas, quand on aura une facture, on va se faire tège, hein, faudra pas chercher. Qu'est-ce que c'est? Vomir? Oh my god! She's vomi. Oh non! Elle vomit, putain, c'est dégueulasse. Ah! Quand je suis content, je vomis. Oh non, putain, non! Non! C'est dégueulasse. Bon, ben, écoute, hein, vomi. Ah! Ah! Ah merde, d'ailleurs j'ai pris un screen. C'est dégoûtant. Bah, en tout cas, m'a donné vraiment envie de gerber, putain. Ah, et même les petites mouches et tout. Ah ouais, non. Oh, fertilisé? Mais what is it? Ah oui, fertilisé, c'est. Ah, il pue le buisson, putain. Ah non, mais t'es sérieuse, toi? Oh, vas-y, tu me dégoûtes. Elle m'a dégoûté, putain. Bon, en tout cas, regardez comment elle se déplace, elle dégaine, SVP. Genre, elle est trop bizarre. Bon, bref, en tout cas, elle va. Putain, elle a encore faim. Elle a mangé du gâteau tout à l'heure, elle a encore faim, la meuf. Bon, bah, écoute, tu vas prendre un mort. Je crois que ça a bugué. Ouais, ça a bugué. Tu as mangé le gâteau, voilà. Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, tu prends une douche. Ton frère va arriver. Ah non, non, il arrive pas. Bon, tant mieux. Bon, en tout cas, ton hygiène est bientôt terminée. Donc, du coup, tu vas aller au. Ah ouais, tirer la chasse quand même avant parce que c'est hardcore. Tire la chasse, STP. Je crois que c'est encore sa soeur. Elle a encore germé de partout. C'est dégueulasse. Ah, ben voilà. Bon, c'est bon, il est aux toilettes, tranquille. Feng. Bon, du coup, il faut que tu descendes et que tu manges. Voilà, tranquille. Prendre un petit morceau. Voilà, tranquillou. Bim, bam, boum. Voilà, bon, par contre, tu te dépêches ou c'est comment là? Il te faut autant de temps pour tirer une chasse d'eau, c'est abusé. Bon, allez, hop, dépêche-toi, va manger. Toi, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? On t'es encore en train de manger. Toi, ah ouais, toi, t'es au bout de ta life, quoi. Ben, ah ouais, regardez, je l'avais dit au début de l'épisode, jamais 203, voilà, c'est ça qui pète. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Remplacé, voilà. Et je voulais dire un truc, mais j'en souviens déjà plus, ça me saoule. Merde, ça m'énerve. Oh bon ben c'est pas grave, peut-être je m'en souviendrai plus tard. Bon, on s'en fiche, bon ça devait pas être quelque chose de très important. Ah si si c'est bon, je m'en souviens. Comme vous voyez dans cet épisode, en vrai je suis trop choqué de moi-même parce que genre en vrai, je sais pas si vous voyez, mais genre dans cet épisode je m'occupe grave de grave des Sims et tout. Je suis trop choqué de moi-même, c'est waouh. Bref, en tout cas, feng. Bon, toi t'es encore en train de bouffer tranquillou. Eux ils regardent les petits, tu regardes quelle chaîne? What? Qu'est-ce que tu regardes? Attends, on va regarder. Hop. Tu regardes Romance. Ah, tu regardes Amour, gloire et beauté. Ou pas. Enfin, autant tu regardes Secret Story. Voilà, je sais pas. Oh, trop de sentiments, ils se font un câlin. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu fais toi? Enjôleuse? Ouais, ça va, tranquille. Et du coup, ben, je viens de me rendre compte qu'on est lundi. Donc, du coup, toi, tu vas aller à l'école, non?
Oui, c'est ça, c'est une moyenne. Cours dans 2 heures. Bon, ben, bon courage toi. Enfin, là, ça va être 1 heure, mais bon, voilà, bref, vous avez compris. Bon, en tout cas, cours dans 1 heure. Donc, pendant ce temps, ben, vu que lui, il sera en cours. Ah, what the fuck. Ben, ne pas accompagner. Bon, c'est bon, ouais, c'est bon, elle m'a saoulé. La dernière fois qu'on y allait, franchement, à l'épisode précédent, ça m'a un peu gavé. Enfin, je sais pas, c'était chelou, en fait. Je sais pas, c'était trop bizarre. Bon, en tout cas, lui, je pense qu'il va bientôt partir à l'école. Il est 7 heures, je me lève le matin et je prends ma douche, l'essence collier. Il est 7 heures, je me lève le matin, je prends ma douche, je descends l'escalier. Tout le monde se presse, je descends à l'arrêt du bus. Ça me rappelle encore la musique que j'avais mis il y a 2 épisodes là, ou un, je sais plus. Non, c'est il y a 2 épisodes. Ça fait tout le monde se presse, tic-tac, je prends l'arrêt du bus. Je dis vraiment n'importe quoi, hein. Franchement, moi à 8h du mat, du mat. 8h du soir, au moment où je fais cette vidéo, je suis vraiment toc-toc dans ma tête quoi. Toc-toc dans ta tête quoi. Mais toc-toc dans ta tête quoi. Bon, qu'est-ce que tu fais? Discuter? Bonjour, ce matin, je vais discuter avec ma soeur sur le trottoir. Tout va bien. Oh, sa soeur, elle a fait tose, tose. Enfin, genre, elle a dit, regardez, genre, je sais pas si vous avez vu, re-regardez le moment, enfin, en gros, replay quoi, replayez le moment, je sais pas si elle dit, mais on s'en fout. Genre, elle a été tranquille, elle était là-bas, et t'as lui, il est arrivé, elle a dit, oh, Amélie, ça va et tout. Et là, elle s'est barrée, elle a fait, c'est bolos, va. C'était trop violent la pauvre. Oh, j'aurais pas aimé, franchement, ça m'aurait pas plu, je me serais battu. Bon, par contre, je comprends pas du tout leur délire de toujours aller parler comme ça, de faire des bisous en cachette comme ça, comme si vous vous cachez. On sait tous qu'on est en couple, que vous êtes en couple. Enfin, qu'on est en couple, que vous êtes en couple, je sais pas, c'est. Bref, faut pas chercher. Bon, en tout cas, elle dort toujours. S'il te plaît, dors pas trop non plus parce que bon, ça va quoi quand même. Tu t'étais quand même tapé une bonne nuit. Bon, en tout cas, elle a faim, mais le plus important, c'est qu'on va un petit peu la relooker. Enfin, voir un petit peu l'événement qu'elle porte parce que je sens qu'on va être choqué, que ça va être le drame. Donc, petit enchargement, on va faire un petit relooking rapide de Johanna, je vais y arriver. Notre Johanna, franchement, je parle non. Oh, elle a des cernes, enfin des rides. Bon, c'est pareil, on s'en bat avec. Bon, en tout cas, on va aller dans le quotidien. Ah, mais elle a carrément gardé les mêmes tenues, quoi. Oh, waouh, ça va trop pas avec toi. Oh là là, ah, ça fait moche. J'aime trop pas. Ouais, bon, ok. Bon, là, tu es sport, je pense pas qu'elle va te faire de sport. Sommeil, bon, sommeil tu es une vieille dame, donc du coup tu vas mettre des vêtements de vieille dame, voilà. C'est pour bien faire le mec cliché, tu sais, mec fait une tonne de clichés. Non, en vrai, je connais des vieilles dames qui s'habillent comme ça, hein, bien sûr. Non, en vrai, je sais pas trop ce qu'on va mettre, je pense qu'on va mettre une tenue un peu comme ça peut être bien, ça peut être sympa en vrai. Bon, du coup on va mettre ça, voilà. Quoique peut-être pas rose, ça fait un peu bof quand même. Enfin, je sais pas, ça fait pas top. Ça peut-être, ouais, ça fait un petit peu mieux. Après, tenue de fête. Bon, écoutez, je pense que. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut partir sur un truc comme ça, pourquoi pas? Ça fait plutôt bien, c'est cool comme ça, j'aime bien moi. J'aime bien. Maillot de bain, bon, ouais, on va laisser comme ça pour le moment. Ça, c'est sa tenue quotidienne. Bon, tenue quotidienne, on va quand même changer un petit peu. En sorcière! Doremi magique! C'est comme l'épisode précédent. Bon, non, quand même pas. Non, attendez, on va la mettre en gladiator. Non, ça va trop pas. Oh, Cendrillon! Oh, ça j'aime trop tenues. Elle vient d'où d'ailleurs? Ah, mais c'est une Noël? Ah, ouais, d'accord, ok. Ah, j'aime bien celle-là. J'aime bien celle-là, fait très vieille dame et tout. J'aime trop. Venez, les gens, là, on va l'habiller comme ça. On va l'habiller comme ça. Je kiffe, 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 kiffe. J'aime trop, trop, trop. J'aime trop. Bon, écoutez, je pense qu'on va l'habiller comme ça. Alors, après, quelle couleur? Non, ça fait. Après, ça fait trop vieux comme ça. Enfin, je sais pas, marron et tout, c'est pas. Ça fait triste quand même. Bon, après, pas ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ça bof. Ça bof. Ouais, ça j'aime bien en fait. J'aime bien ce bleu comme ça fait un peu lavande et tout. Franchement, j'aime bien. Ouais, on va laisser comme ça. Du coup, ça, bon, on va pas toucher. Voilà. Et après, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, en tout cas, ben, c'est parfait. Ouais, franchement, j'aime bien sa petite tenue. Ah ouais, niveau chaussures, par contre, c'est la cata. Bon, niveau chaussures, on va juste changer parce que non. C'est pas possible, quoi. Genre, non, pas des talons. Non, on va juste mettre peut-être des chaussures un peu plus plates, je pense. Des ballerines. Oui. Non, je rigole. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre. J'aime bien ça, franchement j'aime bien. Ça, je sais pas.
J'aime bien. En plus, j'ai jamais mis jusqu'à présent, donc pourquoi pas tenter. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va mettre ça. Ouais, allez, on va mettre ça. Donc, c'est parti. Voilà, hop, on a mis les petites chaussures, la petite tenue et tout ça. En tout cas, elle est relookée pour le troisième âge et ça, c'est cool. Bon, en tout cas, temps de chargement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la tenue. Si, voilà, vous trouvez qu'elle est bien, qu'elle est pas bien, saoulée. Si vous, voilà, si vous avez des envies de modification de ça. Comme vous avez vu, j'ai pas changé ses cheveux. Je les ai laissés gris pour le moment, mais dites-moi en commentaire, voilà, si vous voulez que je fasse des, peut-être une couleur, que je les laisse pas gris. Dites-moi ça en commentaire et on revient dans la petite vivante. Donc, hop, ah, ben regardez. Regardez la notification qu'on a eue, les factures, voilà. J'en étais sûr, vous voyez, moi je suis devin, j'en suis sûr, je suis devin, regardez, parce que, genre, je dis qu'il y a trois trucs qui vont se péter. Il y a trop de trucs qui se pètent parce qu'il y a ça qui s'est pété là. Après je dis ouais c'est bizarre on n'a pas de facture. Bim allez les factures elles arrivent. Je suis sûr le juif il a dû se dire ouais ah tu veux des factures. T'en auras des factures. Allez 10 000 simflouz. Bon les factures viennent d'arriver nana 10 274 simflouz c'est malaisant voilà. Et avez 48 heures pour payer avant que vos services ne soient coupés nani nana. Bon du coup ben, c'est ce qu'on va faire voilà. Et bon on est plus à 10 000 près on a quand même 172 000 euros. Enfin, simflouz, donc ça va. Bon, du coup, on va prendre le petit courrier. Mais j'ai même pas vu le facteur. Genre, il est passé, il s'est dit, je sais pas. Il est même pas passé boire le café, ça se fait trop pas. Bon, en tout cas, payer les factures. Voilà, tranquille. Ah, téléphone. Hello, allô. Mon patron m'appelle, dois-je répondre? Parle à ma maman. Non, je déconne. Elle va vraiment se faire taper sur les doigts en fait. Parce que, ah ouais. Ah mais elle doit être au boulot, putain j'ai zappé. Ah mais il n'est pas allé travailler, si elle manque trop de journées de travail, cela nuira à sa performance. Bon déjà qu'elle est pas très haute, franchement c'est pas une grosse perte, hein, voilà. Bon du coup tu vas quand même aller au boulot, hein, voilà, parce que ton chef t'a appelé quand même aussi. Il t'appelle, mais que tu n'y vas pas quand même, ça fait un peu trop foutage de gueule. Donc tu y vas. Tu vas travailler dur ma fille, c'est clair. Ah non, flirter avec ses collègues, ah non quand même pas. Travailler dur, voilà, tranquille. En tout cas dans sa grossesse, elle en est au troisième trimestre dans 6 heures. Donc dans, normalement du coup troisième trimestre, bah, c'est à dire que du coup elle sera en congé maternité, si je me trompe pas. Ouais, elle sera en congé. Donc ça c'est plutôt cool. Oh putain c'est quoi ce plat de merde qui traîne. Oh mais à chaque fois c'est n'importe quoi dans cette baraque, c'est toujours dégueulasse. Ça m'énerve, franchement faudra qu'on engage une femme de ménage et tout. Ça serait vraiment bien. Faudra peut-être faire ça dans les prochains épisodes, ça peut être cool. Bon en tout cas hop on met tout ça dans les éviers. Parce que je vois que en fait les Sims ils bougent pas leur cul pour le faire. Donc du coup si la personne qui le fait ben, personne le fera quoi. Enfin c'est même pas logique tout ce que j'ai dit. Bon en tout cas voilà on l'a fait. Et puis écoutez elle est au travail, lui il est en jouleur. Pourquoi pas peut-être appeler quelqu'un et lui dire de venir chez nous. Pourquoi pas. Bon en tout cas enfin ça dépend s'il a des amis ou pas en fait. Attendez est-ce qu'on peut inviter à venir sur le terrain ah ouais non, bah, Max, Sergio, Marie. Ah ouais je l'avais zappé elle. Oh là 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 là. Je l'avais zappé. J'avais zappé qu'elle existait. J'avais oublié qu'on était en couple avec. Oh putain. Alors ouais parce que du coup les gens ils doivent pas. Je pense que vous devez peut-être pas vous remémorer. Mais moi je m'en souviens. Souvenez-vous il y a quelques épisodes. On avait eu le puits à souhait. Et on avait fait le souhait enfin je me souviens plus du souhait qu'il y avait. Parce qu'il y avait des souhaits d'argent, d'amour tout ça. Et on avait fait un souhait. Et en fait le souhait c'était que en gros je crois on trouve une meuf, un truc comme ça. Enfin il y avait un truc comme ça, je m'en souviens plus trop. Faudrait que je revisionne l'épisode. Mais en tout cas on avait utilisé le puits à souhait. Et il y avait cette meuf qui était sortie du puits. Et en fait cette meuf, souvenez-vous alors attendez si je la retrouve, est-ce qu'elle est là-dedans? Oui elle est là-dedans. Cette meuf qui est Marie Blanc, qui est donc une ado. Parce que bon elle a pas grandi, on va savoir pourquoi. Qui était donc une ado qui est toujours une ado actuellement. Au moment où elle était apparue. Et ben en fait le truc c'est que c'est que on était en couple. Mais on était les pires ennemis. Voilà c'était le, mais c'était le truc trop bizarre. J'étais en mode what the fuck. Franchement j'étais en mode ok ce genre de choses existe. Enfin quoi que dans la vie tout peut exister bien sûr. Mais en tout cas c'était une chose de vraiment trop bizarre qui nous était arrivée. Et je me souviens que elle existait voilà. Donc je l'avais totalement zappé la meuf en fait hein. Bon du coup on est en fait déjà en couple avec elle. Putain je l'avais zappé. Oh là là. Je m'en bais pas les amis. Genre c'est limite une grosse révélation quoi. C'est waouh. Bon en tout cas bah, je pense pas qu'on va la refaire venir. Parce que souvenez-vous en fait on se détestait mais on s'aimait. C'était trop bizarre.
C'était vraiment chelou en fait. Ouais, je sais pas. Même encore aujourd'hui, je me dis, c'est bizarre. Hein. Les Sims, c'est bizarre. Bon, oh putain, regardez de quoi il parle. Regardez, j'arrivais à la tomber tout, c'était. Oh. Mais dis pas des choses comme ça, bordel. Ça vous trouve le top dans l'épisode. Moi, je sais pas, mais l'esprit, c'est censé être de la bonne humeur, tout ça. Me parle pas de la mort, wesh. C'est trop triste. Voilà. Oh, regardez qui arrive. Qui c'est? En plus, elle marche. On dirait qu'elle va, On dirait qu'elle va en mode, ça y est, go, 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 faire la guerre, tout ça. Voilà, je sais pas. Mila Jasmine. Non, Mila Jasmine. N'importe quoi. J'ai pensé à Mila des Stylés Marseillais. N'importe quoi. Mila Munch. N'importe quoi d'avoir dit Mila Jasmine. Autant ça va être une pote à elle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ouais, du coup, pour reprendre à Mathieu. Non, oui. Non, Mathieu. Non, non. Anthony. Anthony. Waouh, mais je suis choqué. Ouais, je m'en remets toujours pas. C'est waouh. C'est vraiment waouh. Bon, bah écoutez, je pense que on va s'arrêter là. Et en fait, vous allez savoir pourquoi je m'arrête ici. Parce que je vais vous demander quelque chose. Je vais y penser que maintenant, je vais vous demander quelque chose. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, notre Amélie auto-travail. Elle sera son troisième trimestre. Je pense qu'elle, quand elle rentrera. Et du coup, je viens d'y penser. La chose que je vais vous demander, est-ce que, voilà, juste pour le fun d'être, voilà, pour foutre la merde avec le projet d'épisode, tout ça. Est-ce que vous aimeriez que Marie Blanc elle revienne au prochain épisode et que voilà, il se passe des choses, tout ça. En tout cas, dites-moi ça en commentaire. Et aussi, du coup, avec le sondage, voilà, je vais vous mettre une petite fiche. Est-ce que, du coup, pour le sondage, est-ce que vous voulez que Marie Blanc revienne au prochain épisode? Je vous mets le sondage en fiche qui apparaîtra dès maintenant. Ainsi que, voilà, un petit sondage dans la description. Tout ça, tout ça. Du coup, je vous invite à lire la description. De plus, dites-moi en commentaire. Si vous voulez qu'elle revienne, ce que vous voulez qu'on fasse avec, j'ai envie de vous que voilà, voilà, vous participez un petit peu à ce let's play quand même, que voilà, parce que comme j'ai dit, c'est notre let's play, j'ai envie que cette aventure ben, vous plaise un maximum. Donc du coup, dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse avec Marie Blanc si vous voulez qu'elle revienne. Voilà, du coup, ça va être le petit challenge pour le prochain épisode. Challenge improvisé, voilà, tranquille, au calme. Et puis écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Si le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir et puis comme ça vous serez au courant de l'arrivée de mes prochaines vidéos. Et puis quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode. Ciao à tout le monde.